Chaque matin, j'ai peine à me lever. Mon réveil matin, pour 6 heures au moins, pour que je me pousse pour aller travailler. Toute la journée, sauf pour dîner, jette un coup d'œil à la température. Fait beau dehors, le soleil, la verdure. C'est le départ, je vais être en retard. Mais comme on dit, je suis né pour un petit pain. Je veux que j'obéisse à mon réveil matin. Et dire merci, car j'ai la vie. Les jours de paix sont des jours de souffrance. Quand je calcule ce qui va me rester, le fédéral retire avec aisance, le provincial, le montant initial, régime des rentes, la santé, le chômage, tout est réglé pour pouvoir me saigner. Payer l'union, mon fonds de pension, et puis mon ex qui pige dans la balance. Il me reste 20 piastres pour acheter ma quittance. Mais j'ai la vie, ben oui, j'ai la vie. De belles vacances, depuis longtemps j'y pense. Une croisière dans les îles où l'on danse. De voyager sans compter les dépenses, comme ceux qui gèrent la bonne et l'abondance. Sous les palmiers, m'étendre et me détendre, et voir passer les belles femmes bronzées. Mais chaque année, pour le congé, c'est la promenade autour de la maison, accompagnée de la tondeuse à gazon. Mais j'ai la vie, ben oui, j'ai la vie. Certains grincheux font fi des convenances et dans leur vie n'ont jamais travaillé. Ils se baladent dans l'exubérance, vivent d'assistance et d'honoraires douteux. Moi l'innocent, je vis dans l'abstinence et jette du lest au cabinet d'aisance. Mais j'ai la vie, au moins j'ai la vie. Et quand Saint-Pierre est assis à rien faire, pointera du doigt les portes de l'enfer. J'irai taxi, j'ai eu la vie.